Liara Tsoni est une archéologue qui a en sa possession un artefact protéen très ancien auquel l'espace concilien tient beaucoup. Et bien évidemment, pas si évidemment que ça, ils l'ont envoyé sur une ancienne base, un ancien laboratoire, pour du coup travailler sur cet artefact, sur une planète pas si évidente que ça, du coup, du nom de Tovolantis, qui, pour certains, chuchote beaucoup à l'oreille, puisque Tovolantis, c'est l'endroit où vous vous êtes réveillé en plein cauchemar, puisque vous êtes passé de l'espace consignien où vous étiez des militaires en pleine force de l'âge à déserteurs. Et au souvenir, pour ceux qui étaient réveillés, vous n'avez pas aperçu de scientifiques du MDC qui se promenaient dans les bois. Bien au contraire, vous avez vu des Yag, vous avez vu d'autres camarades. Alors si vous avez vu une femme, je me rappelle son nom. Pour Death qui doit s'en rappeler. Qui s'appelait Seria Folt, et qui était loin d'être une archéologue. D'ailleurs, c'était une femme qui était bien loin de se servir de ses neurones pour une quelconque science, hormis celle de tuer. Hein, parce que c'était une... Ouais, c'était celle qui négociait d'une manière bizarre, c'est ça? C'est celle qui négociait en mettant un flingue sur la tempe. C'est une forme de négociation. Et autant dire qu'elle le faisait pas à distance. Hein. Vraiment, le flingue collé à la tempe. Donc, ce n'était pas une archéologue. Et elle s'appelait pas Liara. Autrement, vous avez croisé des Yag, vous avez croisé des créatures que vous ne connaissiez que trop peu, c'est-à-dire des Kert. Vous avez vu des Tauriens. Qu'est-ce qu'ils foutaient là, vous ne savez pas. Vous avez vu des créatures que vous n'aviez jamais croisées. Des créatures filiformes. Qui ressemble à des arbres des arbres trop minces qui auraient pas vraiment rien mangé de leur vie, mais qui bougent et qui ont l'air d'être très bêtes, du moins selon les apparences, mais pas de scientifiques. Vous avez vu deux lieux différents sur cette planète Tovolantis. Un laboratoire qui fait écho à un laboratoire dont il part dans l'ordre de mission. Dinat en particulier l'avait visité, mais n'y avait trouvé que des Yag qui avaient seulement l'envie d'utiliser leur fusil à pompe pour le déglinguer. Et de l'autre côté, vous aviez découvert une exploitation forestière et minière, mais surtout forestière, parce que les engins étaient plus là pour la forêt. Là où vous aviez croisé du coup des forestiers avec les kertes, et là où vous vous étiez rassemblés pour avoir cette fois l'ordre de mission que vous avez donné, le protéen, le fameux protéen. Du coup, fort est à parier que vous étiez parti en route pour Tovolantis pour investiguer davantage, ce qui vous fait un voyage à l'envers dont vous vous seriez bien passé, mais nécessaire pour savoir exactement où se trouve la Liara Tsoni, puisque c'est
c'est elle qui est censée vous permettre de redorer votre blason. Bah, non seulement elle, mais aussi le fameux artefact qu'elle posséderait. Voilà. Et d'autant plus que si elle ne, elle ne se situe pas à Tovolantis alors qu'elle devrait y être, ça voudrait potentiellement dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'on... Alors, est-ce qu'on aurait... déjà, par rapport au... Est-ce que Garrus nous a peut-être donné les coordonnées de la base de scientifique? Oui, 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 tout à fait. En fait, c'est... Garrus vous a donné les coordonnées, les YAG ont examiné ces coordonnées et ont trouvé la position qui correspond à la base au laboratoire sur Tovolantis. Ok, en soi, ça sera surtout les autres membres de l'équipage qui pourront me dire, parce que moi je fais partie des derniers à avoir été réveillé. Voilà, et en fait même les autres membres d'équipage n'en savaient trop rien, en fait c'est surtout que les YAG, comme ils sont natifs de visiblement de Tovolantis, ils y connaissent un petit peu plus sur l'endroit. Donc ils sont un petit peu plus facilités pour voir les coordonnées sur la planète. Autre chose, il y a une hackeuse, et je fais bien attention de dire hackeuse et non pas hacker. Merci. Voilà, pour rectifier mon erreur de la dernière fois. C'est vrai qu'en plus, la dernière fois, il y a une scène très cocasse entre moi et Tess. Ouais, effectivement. Ouais. Où le truc, j'allais te voir pour te donner un truc et je t'ai vu en train de faire du rock'n'roll. Oui. Qui dit. Et juste, c'est ça, juste ta gueule, pas un mot. Et oui, il y a eu une histoire de magazine porno. Ce qui s'est passé avant, il n'est pas au courant. Non, comme ce qui s'est passé au courant, il n'est... Ce qui s'est passé avant, il n'est pas au courant. Alors, de ton côté, Schiss, tu as hacké le relais cosmodique. Cosmodésique, en particulier les données référents à ce qui est passé par le relais cosmodésique de Tovolantis, qui sont ni plus ni moins que les données qui viennent du système Terminus et un petit peu contrôlées par le MDC, enfin par l'espace consignien, pardon. Tu as remarqué. Et j'aurais peut-être un rajout à faire par rapport à la dernière fois, qu'il n'y avait essentiellement que des vaisseaux turiens qui étaient passés par ce relais cosmodésique, dont certains sont bien connus du MDC. Et l'ajout que je vais faire, c'est qu'en fait, tous les vaisseaux turiens de l'espace concilien porte un nom bien particulier, montrant bien une origine très turienne. Ça veut dire qu'il y a vraiment une consonante sur les noms des vaisseaux qui montre bien que c'est des vaisseaux turiens. Ce qui fait que c'est ça qui t'a mis la puce à l'oreille sur le fait que ce soit des turiens. Et ces vaisseaux, tu as retrouvé leur nom sur tout un tas de relais cosmodésiques, tout un tas, de façon très logique, c'est-à-dire celui de la nébuleuse de la Tarentule qui permet d'aller sur Tovolantis, celui en frontière d'Ismar et nébuleuse du Serpent. Tu l'as trouvé aussi en nébuleuse de la Tête de Cheval. En secteur Exodus, en Hadès Gamma et en Artemisto. Alors, pinglez-moi. Ouais, attends, je vais faire mieux. Le cheval est là. On était en direction de mémoire. Attends. Je vais te mettre le fléchage. Hop. Si j'y arrive, bien sûr. Hop.
Voilà. Je sais pas si tu vois ma flèche. Je vois ta flèche qui se... Ok, donc bah, le trajet qu'on a fait en fait. Vous aviez, pour l'instant, il me semble que vous avez simplement fait. Vous êtes aux portes de la Nébuleuse du Serpent. Donc, on vous est encore en frontière d'Ismar, mais vous êtes prêt à passer en Nébuleuse du Serpent. Sauf que, du coup, vu la mission, vous allez sans doute faire demi-tour pour aller, du coup, sur la Nébuleuse de la Tarentule. Fort est de constater, du coup, que ce trajet est logique, puisqu'il n'affiche qu'une seule destination. L'autre chose qui est logique pour des vaisseaux turiens, turiens entre guillemets, c'est que votre ravisseur vous a donné rendez-vous à sur Artemisto. Ouais, pour nous aider apparemment. Voilà. Et soyons sincères, je pense que tout le monde a des putains de doutes. Ouais. Et même ceux qui n'ont pas de doute ont des doutes. Il y a une chose qui est certaine cependant, c'est que votre vaisseau turien a l'air de pouvoir passer en espace concilien. Mais n'a pas l'air de vouloir s'y attarder beaucoup. Attends, le vaisseau turien, c'est celui de Garus? Les vaisseaux turiens, pardon. Oulala, je suis perdu. Les vaisseaux turiens qui passent, que Schiss a détecté en hackant les données des relais cosmodésiques, les données de passage. Laisse apparaître que des vaisseaux turiens naviguent entre la nébuleuse de la Tarentule et allant jusqu'à Artemisto par le trajet que j'ai dessiné du coup avec la flèche. D'accord, excusez-moi, j'étais perdu. C'est normal, je me suis sans doute mal exprimé. Juste pour savoir, de toute façon, je demanderai peut-être à l'équipage ou même au directeur. Tu peux me rappeler ton nom sur le JDRDS? Je vais attends, je vais faire mieux. C'est de te renommer. Exactement, comme ça tu vas. Où ça me pique? Alors, comment je dois t'appeler? Fils. Chis? Ok. Dis-moi, sur la colonie, est-ce qu'on a des Asari? Réfléchis. En gros, tu veux avoir la réponse du MJ, c'est ça? Alors, Asari ou une quelconque personne étant. Alors, je sais plus comment s'appelle le pouvoir, les pouvoirs dans Mass Effect. Biotique. Voilà. Ou toute personne possédant des pouvoirs biotiques. Elle réfléchit beaucoup. J'en connais une, mais elle est plus de ce monde, puisqu'elle s'est tuée cette conne via une négociation particulière, Putain, on va dire. c'est violent, je m'en rappelle plus. Ouais, bah ouais, clairement, de mémoire, de ce qu'elle a raconté, c'est elle a pointé un flingue sur quelqu'un, elle s'est fait flinguer. Alors attends, Voilà. faut préciser, elle a pointé un flingue sur un Krogan. Voilà, ça paraît plus logique d'un coup. Ah oui, non, là ça paraît beaucoup Non, plus non, non, c'est logique. pas sur un Mais Krogan. c'était quoi l'idée? C'est pas sur un Krogan. Ah bon, je m'en rappelle plus. Alors. Il me semblait que c'était un problème. Mais bon, Oui, donc oui, voilà. elle est morte, donc on l'oublie.
Sinon, non, alors peut-être le Galarien, après, même pas. On a un Galarien. Est-ce qu'il sait faire des trucs psychiques, enfin bioniques? On n'a aucune foutue idée. On va se... Non, c'est vrai que vous êtes un petit peu pauvre. Ah bah c'est Shizni qui s'est fait dégommer. Non, parce que étant... Là, j'ai parlé directement à Chis. Vu que les Asaris sont surtout connus pour leur pouvoir biotique, ça aurait été de savoir si l'un d'entre nous qui utilise le pouvoir biotique, essaye pas de rentrer en résonance avec elle, peut-être. La seule qui était en résonance était conne et en plus morte. Donc, oui, donc retour à l'ancienne. Demande à la pilote, même si elle a un parler particulier. C'est une humaine. Et les humains sont capables de pouvoir biotique pour certains. Oui. Après, aussi les Krogan, mais je crois pas que notre Krogan... je crois que notre Krogan, si, de mémoire, non. Si, il y en a un des deux, ouais. Oui, oui, mais qui a des pouvoirs biotiques, c'était pas un chef de guerre, en plus. C'est un... Comment on appelle ça? Si, c'est un chef de guerre, mais ça porte un nom. Toute variante... Je vais pas l'avoir. Comment ça s'appelle ces Krogan? Un furie de guerre, non? Bref. Oui, t'as un type de Krogan qui a ce genre de pouvoir. Et oui, vous en avez un qui s'appelle Ketarog. Va voir Ketarog. Disons que... C'est le seul qui a des pouvoirs biotiques. Ok. De ma connaissance. Il va falloir espérer qu'il souhaite coopérer. Et il est dans le vaisseau ou il est sur la planète? Oui, il est dans le vaisseau et dans l'infirmerie. Ok. Bon, t'as l'air de plus le connaître que moi. Grimace, mais ça se voit pas, elle a un casque. Je t'avoue que, mis à part quelques pièces, je ne vais pas dans les autres endroits, notamment l'infirmerie. Espoisine, t'as fait un truc avec lui qu'il a pas apprécié? Non. C'est parce que l'endroit... Parce que je n'ai pas envie qu'il ait l'idée de enlever mon armure... Pour voir si je suis malade. Sachant ce que je suis. Ah mais c'est un fou. C'est pas un fou. C'est un soigné. C'est un docteur. Krogan. Donc. Ouais. Ouais, tu as du bordel. Enfin, déjà quand on soit par nous diriger vers la nébuleuse de la Tarentule. Et on verra sur place. Donc, de ce que je comprends, c'est que le fameux laboratoire de la dame Tsuni été retrouvé en ruine. Ou en tout cas, saccagé. La loche. Je suis obligé de refaire. Un sort, je remarque qu'un de mes sorts ne fonctionne pas. Ah. Parce que je les ai pas fait. C'est ma faute. Hein. Il me manque un truc aussi.
continuer au lit dès que c'est bon. Comme ça, moi, je cherche... personnage qui est à rogue. Par contre, du coup, je te le dis à HRP parce que je pense que je vais garder quand même ce que tu as dit en RP. Parce que je trouve ça fun. Vous avez deux Krogan à bord. Il y a Ketarok et le Foudre de Guerre. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Et c'est est un deuxième Krogan qui s'appelle Al Katar. Et qui lui est un médecin, effectivement. Et de ce que je comprends, ce médecin a des pouvoirs biotiques. Non, c'est Ketarok qui a les pouvoirs biotiques. Enfin, c'est pour ça que je recherche sa feuille, parce que si ça se trouve, c'est peut-être moi qui me gourre. Donc je... Donc ce n'est pas le médecin. Voilà. Mais en soi, je trouverais ça légitime que Schiss se trompe sur le nom des deux Krogan. Étant donné que tu vas pas les voir tous les jours. MJ, alors là c'est un truc que je demande, mais après peut-être tu me dis si oui ou non. Hein. Mais est-ce que Garrus nous aurait peut-être passé, je sais pas, à moins d'avoir la position de Lyra de Sony, genre une balise sur peut-être sa tablette ou quoi que ce soit, ou pas du tout? Pas du tout. Par contre, pas sur elle. Par contre, elle était censée, de façon évidente, parce qu'elle va pas y aller à la nage, elle était censée y aller avec un vaisseau du MDC. Attends. MDC, tu peux me rappeler ce que c'est? Parce que tu en parles depuis tout à l'heure, ce que moi je suis en mode... attends, c'est quoi ça? MDC... Alors je sais que c'est le conseil de l'espace consignant, mais à chaque fois j'oublie le nom exact. Ministère de la Défense Concilienne, voilà. Ok. Et donc ce ne sont pas des Geist, donc c'est pas l'élite sous le commandement d'un spectre qui a été envoyé pour convoyer Lyra de Sony, pour la simple et bonne raison que c'est que ça aurait été trop visible. Donc c'est des agents secrets qui étaient censés la convoyer. On est d'accord que... Vas-y. Ok, donc un vaisseau. Est-ce que Garrus nous a dit s'il savait si le vaisseau était toujours, entre guillemets, à Tau Volantis? Non, le vaisseau est censé s'être dirigé vers Tau Volantis et de façon directe. A perdu sa trace au pied du relais cosmodésique désaffecté. Précision, puisque Schiss était dans il le peut coin. Être... Schiss était dans il le peut coin être à ce moment-là. Autre système. Oui, sauf que Schiss était dans le coin à ce moment-là, dans le moment où vous avez vu le message là, et le nom du vaisseau. Qui convoyait Lyra de Sony n'avait pas de consonante turienne. Donc tu n'as pas vu dans les données une traversée d'un vaisseau non turien qui a traversé ce relais cosmique. Voilà. Et ça fait combien de temps que Lyra de Sony a été envoyée à Tau Volantis? Et 3 semaines. Alors, on est d'accord, on parle du chemin comme ça, mais elle n'a pas encore eu de réponse sur des traversées comme ça, Schiss. Non, pas sur une traversée comme ça. Quand vous avez eu le message, vous étiez encore là. Bon, putain, ma flèche ne marche pas. Là.
quand vous Bah, ce que je vais faire, c'est une fois que j'arriverai à la nébuleuse, je vais essayer de déployer les capteurs pour essayer de, bah, de retrouver la trace du vaisseau. allez. Ok. Schiste, est-ce que tu fais quelque chose? Toi, je suis pas sûr que tu sois à cet endroit-là. Tu dois être dans la salle des machines, si j'ai bien suivi. Moi, je suis plutôt dans la salle des machines et derrière, je fais en sorte que les machines vont bien. Oui, Parce que, tu leur fais de la ouais, musique. parce que ce genre de voyage, j'ai déjà perdu un de mes vaisseaux auquel j'allais avoir mon nom. C'est pas le moment hein, que ça pète une nouvelle fois. Après, je vais être un porte-poisse, donc c'est mort. Bah, surtout qu'en plus, le SSV Aquitaine, si on le perd, bah c'est ciao, plus moyen de rentrer. Exactement. Exactement. Comment j'amorce ces trucs? Parce que toi, du coup, tu vas rechercher ces données-là. Au moment où vous refaites le retour vers, le relais cosmodésique, vous aviez également les YAG qui avaient commencé à reprendre contact avec les quêtes, non pas les cartes, mais les quêtes sur, sur Tovolantis. Ils vont avoir une Ouais, pour... réponse seulement en arrivant à côté du relais cosmodésique, forcément. Et ils vont avoir comme réponse, puisque eux sont visiblement très à l'affût de ce qui se passe au niveau du relais cosmodésique, surtout à l'arrivée, comme c'est étonnant. Mais oui. Ils vous diront que ils ont fait le ménage. Puisque vous leur aviez demandé de faire le ménage. Hein, je te rappelle, Oui, de Schiste. façon ouais, genre bah, que les corps bah on les nettoie, etc. Et que derrière bah ça devienne quelque chose de propre en fait l'endroit. Bah, Bah, qu'on surtout puisse le entre labo. guillemets. Surtout le labo, Surtout de là-bas. puisque Dinat avait quand même fait quelques petits tirs dans la tête. Les Yaks de leur côté avaient quand même balancé pas mal avec leur fusil à pompe, avaient quand même pas mal mis des Donc cartouches allez. partout. Alors que Après, faut dire le. aussi, après, comme tu l'as dit aussi, MJ, les trois quarts des personnes ayant été envoyées sur Tovolantis sont des militaires. Voilà. Et Et surtout que derrière, je me rappelle que je me suis abusé avec je sais plus qui, à congeler quelqu'un pour que derrière il le tape. c'est Oh, ça. Et oui. je ne sais plus ce qui vous est pris par la tête quand vous étiez avec les quêtes, mais vous étiez insurgé sur le fait que le labo, bah, du coup, était très sale. Et que ça méritait d'être nettoyé de fond en comble, en particulier par les Yags, puisque ça vous arrangeait bien que ce soit eux qui le fassent. Oui. Et effectivement, bah, le ménage a été fait de fond en comble au niveau du labo, ce qui va vous soulager de devoir vous-même rechercher quoi que ce soit là-bas. Ah. Et effectivement, ils ont retrouvé une espèce de photo accompagnée d'une certaine cartographie dont ils ignorent totalement la provenance. Il s'agirait visiblement de différents endroits, des petits points un petit peu mis partout avec tout ce qu'il faut, la mer, la terre, des chemins commerciaux. Il s'agirait visiblement d'une planète, mais alors laquelle, ils en savent rien du tout. Ils ont fait des recherches, ils n'ont rien trouvé. Je crois que c'est un travail pour moi. Ils ont rien trouvé et faut bien avouer que tu te lèches peut-être sans doute les babines parce que eux, ça les frustre à un point de ne rien avoir trouvé. C'est quoi ce rire?
Let's be! Alors après, le problème qu'ils ont, qui est évident, c'est que déjà cette liaison avec vous pourrait être interceptée par un hacker qui a créé certaines transmissions qui se feraient à travers le relais cosmodésique, qui n'est ni plus ni moins ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Laissez-moi faire, oh là là. Oui, mais si tu veux, déjà vous êtes en train de partager des renseignements qui, à leurs yeux, paraissent top secret. Et si là ils se mettaient à transférer l'image plus la cartographie, ne serait-ce Non, que non. si jamais il y avait un trésor là-bas, ils ont envie que vous Ouais, ça ne traversiez le testerait relais que. pour qu'ils vous le transfèrent de l'autre côté. Ouais, mais ouais, Le c'est. mieux c'est qu'on revienne, on pose le vaisseau et on fait un point. Voilà. Oui, mais derrière, je vais me préparer pour la sécurisation des données, etc. Hein. Si c'est Oui. ça le problème, faut me laisser juste du temps, un café, enfin pas de café. Faut me laisser du temps, de pas me stresser et derrière je m'occupe de tout ça sans aucun souci. Bah, c'est pour ça que je propose d'aller poser le vaisseau à côté, bah, de ce qui semblerait être notre nouvelle base, la base scientifique. De ce que je comprends, ça nous sert de hub. C'est ça. Donc autant aller là-bas et se poser à côté et on verra ce qu'on fera par la suite. Exactement, mais déjà. Et de toute façon, moi, il faut que je commence à essayer de manier un peu plus le SSV. Bon, écoute, moi, MJ, ce que je vais faire, hein, c'est vu que ça leur emmerde de transmettre des informations, bah, je vais créer quelque chose, un canal sécurisé, tout simplement. Je vais prendre mon temps. Tu les connais pas encore suffisamment, les quatre là. Ouais, ben je sais qu'on aime bien des endroits sécurisés. Donc, l'un dans l'autre. Très bien. Eh bien, j'ai envie de faire un truc parce que du coup, si Finn prend les commandes du vaisseau pour piloter, je crois que vous avez un truc du genre pilotage sur votre fiche. Oui, il y a véhicule ending. Il y a pas de pilotage. Pilotage. Si, moi j'ai la barre. Système de vaisseau, la barre. Et véhicule, espace, mais après non, j'ai pas. Attends, pilotage. Véhicule ending. Ouais, c'est celui-là. Ouais, bah c'est celui-là, je crois qu'il y en avait un autre, mais ouais, c'est Donc celui-là. je fais un jet, c'est ça? Ouais. Ça va! Voilà. C'est surtout pour voir, parce que tu vois, le pilote, il a toujours un petit style pour prendre le relais cosmodésique, pour bien le prendre, pour bien Plus prendre que 10, le. toi! Ah ouais! Grâce à tous mes avantages, de par bah, que ce soit les systèmes et tout ça, plus l'intelligence qui est quand même pas mal boostée, et derrière, bah, véhicule ending. Ah, quoique je pourrais avoir ça avec si j'ai avec quel niveau de Disons plus. que contre un piratage, je pourrais quand même essayer de reprendre le contrôle, mais disons que s'il y a un bon niveau derrière, voilà, je risque de grincer les dents. Ouais, mais ma personne n'est pas une excellente pirate, mais au moins elle sait pirater. Non, mais apparemment, tu sais, celui que tu considères comme ton némésis sur le fameux vaisseau pirate, Ouais. lui, apparemment, il était très bon. Juste n'a pas envie d'en parler. Ça C'est un mauvais dépend. souvenir. Mais bon, laissons Non parler de plus. ça. Bon, ça se voit qu'au moins, j'ai toujours les réflexes de pilote. Bon, au moins, ça s'est pas perdu avec le temps. C'est ça. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre. Parce que du coup, toi, c'est ta première fois, hein, quand même. Pour Bah, sur un vaisseau de ce style, oui. Oui, non, mais surtout avec un relais cosmodésique qui a l'air d'être totalement hors service.
Au début, il brille pas, il a l'air d'être cramoisi, un truc comme ça. Donc te lancer un truc comme ça au début, tu te dis, il y a certainement des gens qui abusent un petit peu en disant que c'est un relais de cosmodésie. Mais comme tu as foi en ce qu'on te dit et foi en ton pilotage, tu t'es lancé comme d'habitude, comme dans un relais cosmodésique, tu t'es lancé comme il le fallait. Et finalement, il y a bien eu cette petite lumière qui s'est directement mise en place, qui a été assez soudaine mais efficace, et qui vous a renvoyé de l'autre côté du au point B, bref. Et la planète Tovolantis qui est bien seule dans ce système solaire avec son soleil, qui se sent bien bien seule et qui s'offre à toi, qui tu la vois sans doute au début sur son transpondeur quand même, mais tu la vois bien. Tu diriges vers elle. J'y vais tranquillement, hein. Je veux pas forcément les boosters à pleine puissance. Je veux déjà essayer de me familiariser avec le vaisseau avant de voir ce que ce petit bébé a dans le ventre. Oui. De toute façon, tu vas sans doute faire un petit peu le tour de la planète pour la simple et bonne raison que, en fonction de sa rotation, tu vas pas forcément arriver sur un point d'entrée. Point d'entrée, pourquoi? Parce que c'est une terre qui a l'air visuellement inhospitalière à souhait. Ça a l'air d'être une planète de fer. Donc tu te dis, c'est compliqué de rentrer dans un tas de ferraille comme ça, surtout s'il est brut. Enfin, surtout s'il est plein. Pourtant, on te dit que visiblement il y a de la vie à l'intérieur, et effectivement, c'est ce que ça t'indique au niveau de tes données. Il semblerait qu'à l'intérieur il y ait du creux. T'es assez vite symbolisé, cartographié sur des visuels, sur tes écrans. Un carré assez grand, voire très grand. Correspondait à peu près à la taille d'un vaisseau cargo x2. Et c'est sans doute pas un hasard pour que ça le soit. Un carré qui permet de rentrer sous cette couche métallique. Donc effectivement, il va falloir que tu tournes un petit peu autour de la planète pour trouver cet endroit qui est cartographié, donc tu vas pas non plus la chercher beaucoup. Et une fois qu'il y est, juste au-dessus de ce carré d'entrée, tu vas apercevoir un petit peu en décalé, parce que si c'était tout en dessous, ça serait compliqué à cause d'une certaine couche de zone, enfin une couche de vie importante pour vivre. Tu remarques tout de suite une grande baraque, mais vraiment immense. C'est une sorte de double building à l'américaine, mais simplement pour ce que vous en connaissez sur ce monde, c'est simplement une exploitation. Une exploitation qui, visiblement, ou à la physionomie de ce que vous voyez, une exploitation forestière. Bon, schiste, toi, ça te surprend pas, tu l'as déjà vu. Avec autour, bien évidemment, des véhicules gigantesques, deux fois ceux que vous pouvez voir sur Avatar, et qui correspondent, bien entendu, à des équipements forestiers. Tu commences à atterrir dessus. Alors t'as une c'est une frégate que vous avez, je crois, vous, hein. Oui, de toute façon c'est un CSV, donc c'est une frégate. Vous commencez à rentrer dedans, enfin tu commences du coup à rentrer dedans avec le vaisseau. Évidemment, si tu veux aller au labo,
C'est pas ici qu'il va falloir s'arrêter. Le labo est un petit peu plus loin. Il faut faire pas mal de kilomètres. Enfin, bon, c'est pas grave, hein, vous êtes en vaisseau spatial, les kilomètres, ça vous fait pas peur. Oui. Ceci étant, en termes de pilotage, ça signifie quand même naviguer entre les arbres géants et un ciel de métal. Donc ça porte quand même Alors, un petit est-ce peu que... à... Alors, j'aimerais juste savoir, est-ce que dans le SSV, il y a un véhicule terrestre? Oui. Genre le Mako, le truc à plusieurs roues. Entre autres. C'est bien de Mako qui s'appelle ce machin. De toute façon, je pense que c'est ça. Équipement, véhicule. Le Mako. Ah oui, le Mako. Oui, je crois que c'est celui-ci. Attends que je développe le truc. J'ai pas l'image. Alors, est-ce que c'est le Mako ou est-ce que c'est le Grizzly? Je t'envoie dans les CV Aquitaine, ça c'est le Mako. Je viens juste de sortir le Grizzly, donc je vais regarder à côté. Ouais, le Grizzly, c'est plus un Mako. Ouais. Ça paraît plus logique que ce soit Mako. Il peut charger combien de tonnes le Mako? Parce que c'est éventuellement ça qui peut être déterminant. Une tonne. C'est pas mal. Ah, par contre, il est armé. Donc oui, le Mako. Je reste dessus. Après, pour savoir, de toute façon, j'aurais discuté avec le reste de l'équipage. Est-ce qu'il y a une zone assez dégagée à côté de la zone de, à côté de la base scientifique pour que je puisse me poser, ou si c'est littéralement impossible de me poser là-bas? Oh non, c'est totalement possible. Juste devant le... Alors, le labo est immense. Mais devant le labo est en conséquence du coup un endroit d'atterrissage qui est tout aussi grand, pas plus grand que trois frégates, donc quand même assez grand. Ouais, donc c'est aussi peut-être une possibilité d'une zone d'atterrissage qui était déjà là avant. C'est ça. Eh ben, je vais y aller vraiment en douceur, passer entre les arbres et le dôme de métal, et j'allais poser à côté. Très bien. Tu commences à te poser et il y a des petites signatures thermiques qui semblent montrer pendant que tu atterris que les quêtes sont en bas à vous attendre, prêtes à vous accueillir. Avec un petit cordon de sécurité de Yag. Vous êtes donc du coup accueilli en grande pompe. Bon, il n'y a pas le tapis rouge, mais bon. Ils sont peut-être pas au courant pour le tapis rouge. Ouais, enfin, on va éviter. On va éviter aussi. Oh. Pas tout de suite, pas tout de suite. Faut attendre un petit peu de gloire, quoi. Un petit peu de gloire et le fait qu'on garde encore cette planète, tu vois, c'est... Ouais, parce que pour l'instant, ça a l'air d'être que temporaire, hein, qu'on est là. Ensuite, toi, pendant tout cet épisode d'atterrissage, enfin de navigation et d'atterrissage, Schiss, j'imagine Oui. que t'as tenté quelque chose pendant ce laps de Oui, temps. bah renforcer les sécurités informatiques, faire en sorte qu'il y ait plus de pièges au cas où des gens veulent s'introduire, augmenter nos capacités de détection, etc., etc.
On renforce notre informatique parce que on a quand même pas mal de secrets et derrière, j'ai envie quand même de bien protéger notre système. Eh bien, tu remarques que même si c'est non professionnel et du coup mal fait, tu remarques que les quêtes montrent que ce sont des individus persécutés de toutes parts, ou du moins par leur parti qui ont été très très persécutés, parce qu'ils ont déjà développé pas mal de défense. Pas mal de sécurité, peut-être trop, ce qui fait que ça surcharge largement les choses, plus que c'est efficace. Donc faut que tu fasses un petit tri et que tu refasses les choses bien. Oui. Mais ça te laisse noter que ces quêtes sont très soucieux de ça. Ok, est-ce que je dois faire un jet de piratage ou un électronique? C'est pareil. Ouais, un électronique, ouais, histoire de voir si t'es vraiment au-dessus de leur niveau ou pas. Ok. Sur si on faisait une comparaison en giga très mal faite de ma part, mais si leur défense faisait 2 teraflops, toi avec 1 giga, tu fais beaucoup mieux. Ouais, donc c'est des amateurs. Je suis choqué que ce soit d'aussi gros amateurs, et bah, on va commencer à. On va faire un vrai système de défense. Et eux, de leur côté, vont avoir transmis qu'ils sont très très inquiets parce que il semblerait que leurs paramètres de sécurité soient largement simplifiés et ils suspectent qu'un pirate est en train de pirater leur système. Et quand tu leur dis est-ce que vous détectez un problème, ils te disent non, mais ça va venir. Et donc je roule les yeux. Pendant que j'améliore, à mon avis, je peux profiter pour moi-même vérifier si ça se fait pirater ou non. C'est le cas. Je vais me faire un petit jet. Bien sûr, vous faites partie de l'endroit qui se fait le plus, pas forcément le plus, qui se fait bien regarder de côté. Donc tu vois, ouais quand même, tu vois 3 tentatives de hacking au niveau du relais cosmodésique. 2 sont d'un niveau équivalent au tien très facilement. Ils sont vraiment très bons. Ceci étant, ils ne passent pas au-dessus de ta sécurité. Par contre, il est évident qu'au nombre de hacking auquel que tu viens de refouler, il paraît évident que la planète Tovolantis s'est certainement fait hacker. Avant que tu sois là, la planète Tovolantis s'est certainement fait hacker plusieurs fois. Enfin, du moins, le relais cosmologique, okay. Ça c'est sûr. Ouais, donc on va faire en sorte que on leur offre un petit cadeau de retour s'ils veulent nous hacker une nouvelle fois. Histoire que déjà je fasse un check-up complet, donc à mon avis ça va être long sa mère. Je suis pas sûr même de sortir du vaisseau. Tout de suite. Je vais faire en sorte que de vérifier les moindres traces de piratage ou non.
Et derrière, de ceux que je repère qui à mon niveau, entre guillemets, ou ceux qui n'arrivent pas à passer, concrètement, je vais leur offrir un cadeau de bienvenue. C'est-à-dire qu'ils veulent nous pirater, en gros, je vais, en plus de mettre une système de défense déjà plus propre et plus organisée et plus renforcée, un petit logiciel pirate qui fait que si tu tentes de venir sans avoir l'IP ou le code ou l'IP que j'ai, concrètement, je t'envoie un virus qui te bouffe tes propres données. Alors Parce que c'est gratuit. dans ce cas, je vais te préciser certaines choses qui peuvent être importantes par rapport au virus que tu vas envoyer, puisque Oui. parmi les sécurités que tu as dû mettre en place, évidemment, il y en a certaines qui sont paramétrées autour des transactions. Dû aux transactions de bois avec Tovolantis qui se font normalement avec des sociétés turiennes, bizarrement. Sauf que tu remarques un truc qui est incroyable. Qui est incroyable. Tu utiliseras le mot que tu voudras quand je te l'aurai dit. C'est qu'il semblerait qu'il y a une société miroir qui porte quasiment le même nom que celle de Tovolantis, celle qui exploite le bois sur Tovolantis, et qui détourne pour... Les valeurs sont déjà colossales, ne serait-ce que pour une transaction. Au niveau des crédits, on n'est pas loin du demi-milliard pour chaque transaction. C'est du bois qui est très recherché et qui est très bien vendu et qui est très rare puisqu'il vient d'une planète que très peu de gens connaissent. Donc l'offre et les demandeurs sont très limités. Eh bien, figure-toi que cette société miroir, sur chaque transaction qui est faite avec Tovolantis, elle remporte le même pactole que sur Tovolantis. C'est 13. Wow, c'est incroyable ça! Donc, Ils ont autant. voilà, c'est ça. Ouais, donc en gros, ils se foutent de notre gueule de A à Z en fait. Ben, cette société miroir en particulier, oui, donc je pense que celle-là, tu vas l'accréditer d'un piratage particulier, peut-être. Ah oui! C'est-à-dire que si pour les autres, concrètement, le cadeau que maintenant je vais offrir pour ceux qui piratent, c'est de se faire bouffer leurs propres données informatiques. Parce que c'est très drôle de voir ton setup ruiné. Pour celle-là, oh, je vais être plus sadique. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que ça soit plus intelligent que ça. C'est-à-dire que je vais faire bouffer les données relatives à Tovalentis. Et je vais faire en sorte de l'afficher, cette entreprise, aux autres espaces conciliens. Parce que c'est très drôle de se faire ficher, tu vois. Oui. Voilà, et en plus, et si je vous montre que derrière il y a eu une belle fraude à l'assurance, en disant que ça vient d'ailleurs, ça va peut les intéresser vachement, hein. En disant, tiens, tiens, ils nous volent du bois, ceux-là. Tiens, tiens, ils se font de l'argent légalement. Donc écoute, outil de piratage. Oui. Avantage ou pas? Pense pas. Non, non, pas de... Sauf si tu as quelque chose qui Et peut j'ai te pas permettre. d'inspiration. Je suis en train de regarder. Parce que mon armure a des bonus. Justement. Je veux de la lumière. C'est quoi? Non conformiste. Non. Non. Non.
J'ai pas de bonus. Je vais faire le jet dans ce cas. Ah! Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Après, c'est RP parlant, ça me paraît logique parce que vu les jets de piratage qu'ils ont fait les autres, ça me semble logique que ça te prenne du temps de les avoir. C'est un sacré challenge que tu t'es mis en place et je pense que ça va te mettre le temps de l'atterrissage. Ouais, c'est ça. Tu me diras le résultat, mais à mon avis, ça se fera. Mon système de défense se fera, l'attaque, si ça se fait, je suis heureuse, si ça se fait pas, j'aurais tenté. Une autre donnée que, du coup, tu captes avec tout ça, qui peut être relativement importante pour vous, c'est que les transactions qui ont lieu entre Tovolantis et les clients turiens existent depuis 20 ans. Pas plus. Avant, c'est le néant. Oh, ça veut dire que c'était 20 ans de fraude. Oh. Ok. C'est 20 ans. C'est 20 ans de fraude, mais ça veut dire que ça fait 20 ans que Tovolantis vend du bois. Ouais. Donc, ils vont se prendre. Donc là, si j'arrive à faire ce que je veux, alors les 20 ans de fraude, ils vont le prendre dans le cul. Plein fouet. Bon bah écoute, tu me dis, me donneras le résultat. Oui, voilà. du coup, vous atterrissez. Les portes s'ouvrent, je crois que tout le monde va descendre parce que tout le monde a envie de voir ce qu'il en est dans ce labo. Surtout que ce labo effectivement a été bien nettoyé par d'ailleurs même la piste. Je crois que Schist avait été devant. T'es pas rentré à l'intérieur, mais je crois que t'étais passé devant. Mais je suis pas sûr, je crois que. Parce que je crois aussi que tu es resté plutôt dans la forêt. Moi, ouais, j'étais plus forêt. J'étais beaucoup plus discret en vérité. Oui. Donc je pense que t'as pas vu. T'avais pas vu le labo. Par contre, Est-ce qu'à l'atterrissage, ça s'est fait, mon piratage? Il vient juste d'être envoyé, ton piratage. Donc tu n'as pas encore le résultat. Tu sais juste que du coup il a fonctionné. Tu sais juste qu'il a atteint sa cible. Tu n'en connais pas encore le résultat après, mais tu sais qu'il a atteint ta cible. Bon, écoute, je vais voir. De toute manière, ça, je verrai le résultat. Mais si je sens que les résultats sont insuffisants, c'est reparti pour un tour. Ok. Ceux qui ont connu ce labo avant, genre Dinat, se feront la réflexion et te feront la réflexion. Vous feront la réflexion. En fait, ils feront la réflexion à tout le monde. Qu'avant, ici devant, même si c'était assez grand pour accueillir trois frégates, c'était quand même devenu assez broussailleux. Alors que là, c'est quand même place nette. Donc, ça a été bien nettoyé. Et les bâtiments ont l'air d'avoir retrouvé pas forcément plus de couleurs parce que c'est des bâtiments gris, mais d'un gris plus propre qu'avant. Bon, il reste encore des impacts de fusil à pompe, hein, donc il est un petit peu grêlé sur ses murs, mais. Mais le gris est plus propre qu'avant. Les quêtes vont s'avancer vers vous. Ils semblent vous regarder fixement. En même temps, ils l'avaient déjà fait la dernière fois.
Les Yag restent à distance et au garde à vous. Ce qui surprend leurs congénères qui se demandent ce qu'ils sont en train de faire. Les quêtes arrivent du coup face à Tanael et puis je pense que toi Chis et toi Finn vous êtes pas loin de l'un de l'autre et pas loin de Tanael. Et vous allez entendre leur dire nous avons à l'intérieur de ce labo un coffret qui vous permettra de voir ce que nous avons trouvé. Nous ne préférons pas en parler ici, car nous pensons que nous avons été hackés et que nous sommes sous surveillance. Sachez que j'ai refait votre système, hein, justement de défense, et que ceux qui ont commencé à pirater, ceux qui ont piraté, je les ai repoussés. C'est bien ça, MJ. Oui. Je vais refaire un tour pour voir si c'est encore le cas. Mais à mon avis, il n'y a plus personne qui nous pirate. Par contre, mettez pas trop de défense. Hein. C'était un enfer de tout faire au propre, en ayant 1000 systèmes de défense. Dis-je en les regardant, Dader. Oui, dis-je en les regardant. Et eux qui avaient tendance à aller un petit peu sur chaque membre d'équipage pour paraître agréable à tout le monde en même temps, quand tu leur dis ça, ils te fixent du regard. Ils ont pas l'air de vouloir lâcher d'ailleurs leur regard du tout. C'est limite gênant pour les autres qui se sentent un petit peu exclus de cette conversation. Tanael, lui, et un certain nombre d'autres autour vont certainement avoir un sourire quelconque. Et Tanael, de poursuivre. Eh bien, je crois que cette fois nous sommes ici en sécurité. Ça va nous changer la vie. Bon, nous pouvons entrer à l'intérieur de ce labo maintenant. Je hoche. Et je les refixe en mode... Je vous expliquerai 2-3 trucs quand même. Si c'est possible pour que vous puissiez les prochaines fois faire plus gaffe. Mais... Sachez que je repasserai un coup avant de partir. Pour être sûr. Okay, et prochaine fois. Maintenant que vous êtes pas trop loin, tu veux retourner dans le vaisseau maintenant ou tu veux attendre? Non, justement, je vais attendre. Ok. C'est-à-dire que je vais avec eux et quand on devra partir ou avant de partir, moi je vais vérifier au niveau du piratage, hein, okay, le résultat. Mais je suis avec eux parce que je suis quand même curieuse de ce qui va se passer. Du coup, Tanael va commencer à avancer, donc je pense que vous allez beaucoup à commencer à suivre. Vous avez tous commencé à suivre. Vous avez entendre un petit son provenant de Dinat. Son qui a valeur désagréable. Mais ce qui va surtout déchirer cette ambiance... Pour passer à l'autre scène, c'est ce moment où Ras va passer devant les quêtes, va les pointer du doigt et leur dire « Bande de connards, je n'ai pas oublié ce que vous avez fait.
Alors fermez vos gueules et laissez-nous faire. Ah, c'est les quatre, c'est pas l'espèce qui peut se mouvoir. Qui sont connectés l'un à l'autre et qui potentiellement. Voilà, bref. Se mouvoir, Ah, c'est qu'est-ce pas que. le truc à ton recul? Ah, c'est les quêtes, tu veux Non, dire. non, les quêtes, oui. Non, les trucs à tentacules, ça doit être le taurien auquel tu penses. Ouais, je pensais, ouais. Donc, ouais. Les anales. Ah oui, Les les grosses pouces. anaris. Oui, pardon, autant pour moi. Oui. Parce que je dis taurien, mais je crois que les tauriens n'ont pas de tentacules. Je suis en train de dire quand même. Non, je vais pas avoir le droit aux images. Non, ils ont pas de tentacules, ils ont une trompe. Ah si, ils en ont une tentacule. Pardon. Bref. Vous allez rentrer vers l'intérieur. Les quêtes vont pas vous suivre. Les premiers IA qui vont suivre Finn vont croiser leur congénère à un moment donné et vont faire des signes à leur congénère à un moment donné. Alors certainement qu'il y en a un qui va se décoincer un peu et qui vous accompagnait déjà, enfin qui était déjà à votre bord, et qui va dire à haute voix, mais qu'est-ce que vous faites, bande de connards, pourquoi vous êtes au garde à vous? Venez, suivez-nous quand même. Vous n'allez pas rester planté là à rien foutre. Et du coup, tous vont venir autour de vous, particulièrement autour de Finn. Que les yaks qui parlaient étaient autour de Finn. Donc Finn, tu vas te retrouver avec un petit régiment de yaks autour de toi. Qui te suivent, ils savent pas pourquoi, mais ils te suivent. Bien, tu te sens bien entouré de gros monsieur tout musclé. Bon, j'ai déjà eu des Krogan à côté, donc franchement. Y a pire. C'est vrai. Au niveau du nombre de QI, effectivement, ça correspond à peu près. Ouais, je trouve que quand même les Krogan ont quand même un peu plus de cervelle qu'eux. Hein. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, allons voir ces images. Vous allez rentrer à l'intérieur de ce labo. Alors, je vais me mettre. Je réfléchis à quelle entrée vous allez prendre. Celle de devant, de toute façon. Vous rentrez à l'intérieur d'un couloir. Donc, à l'intérieur de ce labo. Vous allez commencer une longue série de traversées de couloirs et de pièces, avec à certains endroits des petits pontons pour traverser des espaces d'eau, des pièces qui ont toutes sortes de formes, mais qui sont particulièrement octogonales. Ça a l'air d'être une tendance dans ce labo. Il va y avoir des endroits, particulièrement avant que vous arriviez dans la pièce principale, dans le hall principal, vous allez arriver dans un espace circulaire où a été déterré un marbre blanc, qui a une valeur assez particulière à cet endroit-là. Ça rajoute un petit peu du cachet, quoi. Et qui donne du coup cette pièce qui donne du coup au grand hall au milieu duquel il y a une surface en eau, une piscine d'eau
Et au milieu de cette piscine, une sorte de pilier ou de piédestal, au-dessus duquel il y a un pupitre avec une boîte qui a l'air d'être un petit peu éclairée. Et les Ya qui t'entourent, Finn, te disent que c'est là que se trouve votre votre carte. Bah, personnellement, je vais m'avancer directement pour aller voir. Du coup, tu... Alors, pour te dire à quel point la mise en scène est incroyable, il faut que tu ailles sur la droite pour monter à l'escalier. Tu montes en haut, tu montes sur une passerelle plutôt en bois. Et tu reviens un petit peu vers l'endroit, enfin vers l'arche qui vous a permis de rentrer dans la pièce, pour enfin arriver sur ce piédestal et vers ce pupitre. Donc une grosse mise en scène pour mettre un coffret, un petit coffret dans un grand hall. C'est un peu ridicule, mais bon, bref. Et tu arrives dans une boîte qui n'est pas scellée. Que tu peux ouvrir simplement. Bah, je vais ouvrir. Et à l'intérieur, tu trouves deux papiers. Enfin, deux papiers, deux styles différents. Tu en as une qui est un papier, papier normal, papier ancien. Et un autre qui a l'air d'être plastifié. Celui qui est plastifié, quand tu le regardes, tu vois un décor de plaine à perte de vue, avec à certains endroits des points d'eau. Certains sont assez peu visibles pour la simple et bonne raison qu'ils sont masqués par des fumées. Des fumées qui partent en verticale, qui partent en colonne, et dont le point de départ serait de petites maisons. Du moins, c'est ce qui paraît. C'est des sortes de petits trucs en béton carré, avec des fenêtres et une porte. Ça me dit quelque chose? Absolument pas. Surtout qu'en plus les maisons sont assez stylisées, donc ça devrait être destiné à orienter vers une planète en particulier, mais là absolument pas. Ouais, c'est j'ai beau avoir fait plusieurs systèmes du fait de passer de pilote. Même moi, je n'arrive pas à reconnaître une planète en particulier. C'est ça. Ce que tu reconnais, ce que tu vois qui paraît d'être assez étonnant, c'est que c'est une plaine, visiblement, qui a l'air d'être agricole, du coup. Mais que toutes les fermes, toutes les maisons que tu vois sont en train de fumer. Donc sont en ruine. Les maisons ont l'air c'est des maisons quand même de notre âge ou des vieilles maisons. Ça a l'air d'être des maisons d'un notre âge. Plus vieux ? Plus vieux, beaucoup plus vieux. Par contre, tu ne reconnais pas la culture, donc au niveau du temps, c'est relatif. Bah, le truc, c'est qu'actuellement, la seule chose que je peux me dire, c'est que c'est peut-être un endroit de la planète. À moins qu'on soit sûr que ce soit que de la jungle. Non, pas que de la jungle, c'est que de la plaine. C'est que de la plaine sur la planète ? Non, pardon, sur la photo, c'est que de la plaine, et sur la vôtre, c'est que de la forêt. Et c'est de la forêt cultivée. Ok. Donc c'est des arbres qui sont très très bien alignés. Ouais, donc de toute façon il va falloir qu'on fasse des recherches sur
Après, je pense quand même qu'au vu de, bah, de l'époque où on est, que si on arrive à présenter cette photo dans la base de données, entre guillemets, sur l'internet, de Mass Effect, on devrait pouvoir peut-être retrouver une similitude avec un monde où... Ouais, bah, je vais te proposer justement que je m'en occupe pour les recherches. Je t'en prie. Même moi, là, qui ai tant beaucoup voyagé, ça me pose une colle. L'autre Et... document qui se déplie, du coup, ce sont des, c'est une feuille, très vieille feuille, donc assez fragile en soi, un petit peu jaunie sans doute. Enfin, un petit peu jauni tout court, puisque je vais pas dire Bah, sans doute. surtout qu'en plus du papier, ça se fait plus à notre époque. C'est ça. Ou alors, ça Ou doit alors être. pour les fortunés. Ou alors pour les fortunés. Ouais. Non, c'est plus. Ça a l'air d'être plutôt fait par un peuple qui, malheureusement, n'ont pas eu le développement technologique qu'ils auraient voulu. Sur cette feuille de papier. Tu remarques un plan, une cartographie complète d'un monde, puisque tu vois bien les contours des continents, le nom des mers et tout ça. Tu vois sur cette carte, tu vois et noté un point où c'est marqué Compagnie minière Firestone. Attends, je vais l'écrire. Est-ce que bah il y a peut-être un nom sur la carte par rapport à la planète? Hop. Attends, je te mets le nom de la compagnie. Au niveau de la planète, il n'y a pas le nom du monde sur lequel c'est. Mais est-ce qu'avec un rapide coup d'œil est-ce que bah ça me parle, est-ce que ça me parle par rapport à une planète? Non, difficile. Attends, j'essaye de voir ce que tu peux voir sur ces trucs. La plupart des noms qui sont marqués, au niveau des connotations, Bah, est-ce que... c'est un petit peu comme nos villages en France. Tu as des connotations qui donnent un nom de. D'une rivière ou d'un truc comme ça. Et au niveau de ce que des points là, tu ne reconnais absolument aucun fleuve, aucun endroit. Pas de nom particulièrement. Par contre, en bas de cette feuille, c'est marqué voir hôtel Ambre. Famille Desmanac. Je crois que je vais l'écrire parce que sinon ça va être compliqué. S'il te plaît. Écrire. Ouh, là, si je l'écris déjà mal, là, ça va être compliqué après de le relire. Voilà. Et là, par contre, quand tu vas voir le nom d'Esbanac, ça va te donner une connotation butarienne. Pitié, on peut aller lui gérer mes buts arrière. Hein? Toi, t'es. La famille d'Esbanac. C'est une famille de butariens. Mis des yeux. Oui.
dis-je en n'ayant pas lu ce que tu as en main. Grossièrement, c'est une carte détaillée d'une planète avec un point avec le nom compagnie Firestorm avec Hôtel Ambre Faville d'Esbanac. Ah! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des plans d'un hôtel de la famille de d'Esbanac ou que les hôtels Ambre? Je veux bien comprendre qu'il y ait des cultures, tout ça. Mais les Butariens, c'est pas ceux qui ont l'apologie de la force Alors, par défaut? pour Hôtel Ambre, je vous laisse faire un jet d'histoire si vous voulez. Histoire, est-ce que j'ai de l'histoire? Est-ce que je suis pas trop? Ouais. Bon, ça va. Ça me parle un petit peu. Non. Non, il fallait au moins le score de film pour. Il fallait au-dessus de 15. Ouais, mais au moins, je suis pas trop con, tu vois, je me dis, c'est un hôtel, mais bon. Mais Ça va être un en hôtel. soi, comme de toute façon tu vas faire des recherches après, ça va être plus simple pour toi que pour Finn au final. Mais là, de tête, Finn, tu sais que l'hôtel Ambre. C'est un hôtel que tu peux trouver au niveau de la citadelle. Dans les faubourgs, par contre. Enfin, très éloigné des quartiers principaux. Donc dans la citadelle, là où il y a le conseil, le fameux conseil. Oui. Oui. Dans un Donc c'est un gros faubourg. truc quand même, hein. L'hôtel Ambre, oui, c'est un gros truc. C'est un hôtel renommé dans les faubourgs et qui est à la citadelle depuis des générations et des générations, qui est bien ancré, qui a certainement vécu au moins une destruction massive, mais qui s'est reconstruit quand même. Ce qui laisse supposer que ce soit un hôtel qui a les reins très solides financièrement. Mais pourquoi la personne qui serait ici, surtout l'Ira de Sony, aurait ça? Il n'y a rien d'autre dans le coffret? Et il n'y a rien d'autre dans le coffret. Comme je te le Putain, dis, c'est hein. magnifique. Les quêtes ont fait quelque chose de ridiculement impressionnant alors que ça vaut pas ça. Je vais leur demander s'ils auraient trouvé que je dirais la chambre du direct du chef de la base. Peut-être que là-bas on pourra trouver des effets personnels pour nous indiquer quelque chose parce que là certes ça nous donne des infos mais pas plus que ça. En effet, ils vont du coup vous amener dans le hall prestigieux. Enfin, le hall prestigieux, c'est comme ça qu'ils vont l'appeler, puisque c'est un marbre assez unique et assez particulier qui est largement mis en valeur cette fois autour, enfin à l'intérieur d'une piscine. Vous allez passer par là pour tourner au fond de cette grande salle à droite. Faire un petit peu de couloir. C'est normal que j'ai que la carte. Oui, c'est normal, je vous la décris comme ça. Parce qu'il faudrait que je l'exporte et Ok. ce sera aussi bien de la décrire. Et quand vous allez arriver dans un endroit qui ressemble effectivement à un bureau qui est mis en hauteur avec des chaises à la même hauteur, on va vous dire que du coup c'était le bureau
de commandement du labo. Et à cet endroit précis, vous allez voir qu'il y a eu un saccage. Enfin, c'est pas que vous allez voir, puisque du coup ça a été nettoyé, maintenant vous voyez plus le saccage. On vous dit qu'il y a eu un saccage dans cette salle où les papiers étaient totalement éparpillés partout, dont une grande partie ont été calcinés, brûlés. Le bureau a été retapé pour les pièces, pour les morceaux qui ont été trop abîmés. Les documents qui étaient dedans ont été remis dans les couloirs, dans les tiroirs, enfin ceux qui étaient encore valides, lisibles. Les autres, ils étaient cramés, donc il n'y avait pas besoin de trop s'en inquiéter, il fallait juste les mettre à la poubelle. Et comme vous allez regarder dans les tiroirs, vous allez voir Oui. des données examinant d'anciennes civilisations disparues, enfin disparues, qui sont censées être disparues ou mineures aujourd'hui, c'est-à-dire des recherches sur les Rachni. Ça, Et je pense que ça représente bien la spécialité de l'Iratsuni. ouais. Et encore plus, du coup, des recherches sur les technologies protéennes visant à créer des relais cosmodiques. Et la plupart de ces expériences montrent que montrent uniquement que des échecs. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils n'arrivent absolument pas à maîtriser l'énergie qu'ils utilisent. C'est quoi comme énergie? Oh, tu vois différentes énergies qui ont été utilisées, hein, les mêmes que dans notre monde, hein, l'énergie solaire. Est-ce que je comprends comment il voulait l'utiliser à la base? Eh ben, visiblement, ça a l'air d'être demandé par le MDC d'étudier ces expériences-là, puisque à chaque fois tu vois une fiche type avec marqué en haut MDC avec en libellé, non pas forcément en libellé, ça va être plus être le titre, mais en récurrence sur les documents recherche pour la construction de relais cosmodésiques. Ce qui est assez clair comme objectif de recherche. Ouais. Et à chaque fois, on utilise telle énergie, ça marche pas. On essaye différentes façons de l'utiliser, ça marche pas. Il manque une énergie plus stable, ou alors il manque peut-être un objet qui nous permettrait de stabiliser l'énergie solaire. Voilà. Est-ce que je, de tête comme ça, est-ce que j'aurais déjà une idée de qu'est-ce qui manquait, si c'était une énergie plus stable, si c'était un engin, quand je regarde les plans? Quand tu remarques les plans, Je précise que si je, est-ce que je dois faire un jet d'ingénierie ouais, ou de science? je veux bien un geste d'ingénierie. C'est plus dans Ingénierie! Oh, ouais. let's go! Oh, tu régales là! Ouh, dis-moi tout! Ok. Avec un G comme ça, convaincu. Passe pas! Effectivement, les plans montrent des objets
qui doivent véhiculer l'énergie. C'est la matière dans laquelle ils sont faits n'est pas cohérente avec l'énergie qu'il faudrait pour une énergie telle que celle des relais cosmodésiques, déjà d'une. Et ensuite, l'endroit où ils ont positionné ce qui est censé mettre le gaz au niveau des relais cosmodésiques ne correspond pas à ce que tu as pu croiser toi quand tu y es passé. Ça correspond absolument pas. Donc certainement qu'il leur manque déjà d'une la borne, la bonne comment dire, la bonne architecture des relais, et certainement qu'il doit leur manquer des outils pour réaliser certaines pièces. Qui est le génie qui a loupé ces éléments? C'est quoi comme race qui a travaillé là-dessus? Que je rigole un grand coup. Oh. Si c'est signé, je pense que c'est signé les Ratsoni, non? Non, 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 non. Il n'y a pas de l'aérationie dans les documents de signés. Il n'y a que des différentes personnes qui se font qui sont visiblement des scientifiques. C'est peut-être d'ailleurs ce qui change sur les documents, c'est qu'à chaque fois, tu as des soi-disant directeurs scientifiques qui sont passés ici sur à peu près une quinzaine d'années. Tu as une trentaine de noms différents. Voilà, directeurs scientifiques qui viennent, qui font des comptes rendus. Et à chaque fois, tu as une architecture différente, enfin, quasiment similaire, parce que du coup, ils reprennent quand même les travaux d'avant. Et à chaque fois, ils échouent. Par contre, vous n'avez pas de Lyra de Sony sur ces documents. Je crois que nous avons affaire à ce qu'on appelle une planète abandonnée, mais genre abandonnée par d'anciennes personnes. Genre, il y a une trentaine de personnes pour travailler sur un même sujet et qui n'ont pas su faire. J'ai pas répondu à ta question. D'ailleurs, Ah! tu m'as demandé de quelle espèce seraient les directeurs scientifiques. Ouais. Humains. Est suggéré sur les rapports les plus récents, certainement que un scientifique avec des pouvoirs biotiques serait plus habilité à réfléchir sur la question. Elle rigole un grand coup. Oh les cons! Arrêtez, Finn va vite fait lever les yeux, mais il va surtout essayer de chercher tout ce qui est en lien avec les Ratsoni parce que on lui a donné une mission, surtout qu'il pourrait aider tout le monde. Tout le reste des papiers, si Chiss les veut, il lui passe, mais sinon il va surtout se concentrer sur une putain de Ratsoni parce que bah, actuellement c'est son job. Ouais, je te comprends. Après, je m'intéresse au reste, ne serait-ce que pour avoir des informations au cas où qu'il y aurait sur Ratsuni, ou voire même qu'est-ce qui s'est passé avant. Ça a l'air, mine de rien, important. Et tu le recherches comment ça? Parce que Finn, je pense que tu vas chercher dans tout le labo, tu vas le fouiller de fond en comble le labo. Bah, comme dit, je vais essayer de trouver tout ce qu'il faut parce que littéralement bah, c'est bien les coordonnées qu'on nous a données. Oui, tout à fait. Donc ouais là je sais pas pourquoi bah, pour l'instant je trouve rien sur les Sony. Et oui je vais faire. S'il faut que je fasse tout le complexe pour pouvoir trouver un truc sur les Sony, je le fais.
Mais tu regardes. Est-ce que. Alors, peut-être j'ai peut-être pas répondu à l'une de tes demandes, Finn. Mais est-ce que tu fais des recherches sur Internet? Je crois que tu m'avais dit ça à un moment donné. Mais je ne savais plus Alors quels ça, étaient les objets. au final, je laisse ça à Cheese lorsqu'elle aura un truc sécurisé, où littéralement on prendra les fameuses photos Ouais, de ok. paysages Oui, c'est ça. pour ensuite les comparer à tous ceux de l'univers. Ok. Ouais, je pense que justement, même si je prends les documents papier, et derrière que je lirai en même temps que bah, je sécuriserai et que je vérifierai une seconde fois, je pense que je le ferai dès maintenant. Je profiterai pour lire les documents et soit me foutre de la gueule des humains apparemment qui avaient besoin d'un biotique pour comprendre que ce qu'ils utilisaient ne fait aucun sens. Hein. On va être, je vais être clair et je vais informer quand même le groupe. Parce que bon, c'est à cause de simplement qu'ils n'ont pas mis les bons matériaux pour les bonnes énergies pour la station que la station a été abandonnée. Et qui c'était une trentaine de personnes qui est passée derrière eux. Apparemment des professionnels scientifiques. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Donc déjà rien ne va. Donc pendant que monsieur va chercher fond en comble, bah moi je vais vous regarder au niveau déjà de mon attaque, si ça a fonctionné ou si ça fait chou blanc. Ok. Ton attaque a fonctionné. Et tu vas certainement... ouais, tu vas certainement voir que bizarrement, il y a beaucoup plus de transactions qui ont l'air d'arriver de façon normale pour des commandes sur Tovolantis. Ah, c'est étrange, hein. Et est-ce que les données ont fuité? Donc tu regardes au niveau des actualités sur le dark web et tu vas Ouais. remarquer tu vas remarquer qu'il semblerait que le hacking se fait attaquer que de nombreux de personnes se plaignent d'avoir été attaquées et ruinées. D'autres se disent floués parce que du coup ils ont raté le top départ. Et du coup finalement le dark web est rempli de personnes qui comptaient certainement s'enrichir d'une quelconque façon et qui se sont fait visiblement doubler et le revendiquent sur le dark web pour menacer très clairement ceux qui l'ont fait leur disant si on vous trouve on vous fera pas de cadeau. C'est beau ce que je vois là. C'est très beau. Et l'ensemble des attaques qui sont faites visiblement par les hackers tournent autour de la nébuleuse du serpent. Oh là 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 là. Moi, je hache. Ce que j'entends, c'est une mélodie. Très clairement. D'autant plus que vous allez aussi voir, puisque comme tu es sur le dark web, tu vas aussi voir que de riches investisseurs et marchands se sont vus escroquer entre... Oh putain, faut que je me remette la carte parce que je commence à avoir du mal avec les noms.
trop de monde, tout le monde. Allez. Ouais, j'ai pas le droit à la carte, mais... Ah, voilà. Enfin, j'ai une carte. Je vais vous dire les noms. Entre le système Terminus et... alors, je vais même être encore plus précis. Entre la frontière d'Ismahar et la nébuleuse d'Athéna. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de ces riches qui se sont fait escroquer et se plaignent largement parce que du coup ils ont perdu des quantités de crédit juste affolant. Ah, ah bah c'est dans leur cul hein. Exactement. Voilà. Donc je te dirais que le dark web il est actuellement. Ne me touchez pas ou je vous empoisonne. Le dark web il est à fond là au niveau des trucs là. Par contre, t'es pas sûr qu'il s'agisse seulement que de toi. Ah, là je sens que même les autorités. Ouais, je pense aussi. Bah, dans les mais autorités, oui, il pense quand même puisque une partie quand même. De mon côté, mais c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Ouais. Qu'est-ce que tu cherchais d'autre que tu m'as dit? Et moi, je vais chercher les informations qui étaient demandées au niveau des images. Donc, à mon avis, là, j'imagine qu'en repassant la sécurité, plus personne veut me pirater. Non, naturellement. Effectivement. Donc, je vais pouvoir commencer à chercher les images tranquillement, en mode, bon, alors, je vais chercher les images. Donc, C'est quoi déjà, les deux trucs? La première, c'est une image plastifiée d'une plaine avec des cabanons fumants en ruine, du coup, certainement agricole. Là-dessus, tu trouves un vieux fil commun. Avec d'autres choses qui reflètent l'attaque des moissonneurs. Donc ça date un peu. Ah ouais, ok. En deux... C'est une... En deux, l'autre, c'est une cartographie manuscrite. Les différents noms qui sont dessus ramènent à une planète. La planète Terum. Terum. Système Artemisto. Voilà. Planète agricole et minière. D'ailleurs, la compagnie Firestone est une compagnie minière. Mmh, comme de par hasard. Et bien sûr, alors je continue à chercher un peu pour l'instant, mais je suppose que je trouve rien en rapport avec l'IRA de Sony. C'est ça. Tu trouves vraiment bon. Rien sur l'IRA de Sony. Je vais voir chez CJ. Bon, tu le sens le fait qu'elle a été enlevée actuellement? Parce que j'ai beau avoir fouillé tout le complexe, il n'y a pas une trace d'elle. Alors que son vaisseau est littéralement un vaisseau du ministère de la Défense concilienne. Tu sens qu'on est dans la merde. Tu vois la compagnie Firestorm? Ouais. C'est une compagnie minière.
Et dans l'une des photos, ce qui se rapproche de ça, et parce que oui, il y a un rapprochement, la deuxième photo que tu m'as passée, il se trouve à Terum, donc à Artemisto, là où on doit aller. Dans la seconde, je n'ai pas de planète pour le moment. Faudrait que je prenne des bottes de type astro pour voir possiblement plus d'informations. Mais c'était une photo datant de l'époque des attaques de moissonneurs. La première. Oh, la vache. C'est vieux. Ça remonte, ouais. Et Claude, après, avec ce que j'ai dit, je vais utiliser la façon suivante. Je vais demander, en gros, via un bot à la con qui analyse les lumières et pour avoir peut-être une idée de ce que c'est. Je vais essayer d'identifier via la luminosité et possiblement derrière d'autres données pour avoir des rapprochements sur quelle planète je pourrais trouver ça. Sachant que si ça date, je vais essayer de le dater à l'époque des attaques des moissonneurs. Oui. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais à mon avis, je dois retrouver la réponse. Sachant que, si je le prends en compte, je demande la lumière, c'est parce que, comme sur les différentes galaxies, sur les différents systèmes, il y a possiblement différents types de soleil. C'est pour ça que je prends cette différence. Je vois. Mais bon, de toute façon, il semblerait que tout nous ramène à Artemisto. Ouais, et en parallèle, si je peux faire ça une seconde sur autre chose, je vais fouiller s'il y a des caméras ou ce genre de choses qui est encore actif sur système Tau Valentis pour savoir justement quels sont les vaisseaux qui sont rentrés et qui sont partis, autres que nous. Oui, justement, en plus, c'est ce que je voulais te demander. Et essaye aussi de voir ce qui semblerait être le poste de commandement de la base, parce que sûrement que si le vaisseau de Lyra est venu, à mon avis, ils ont dû sûrement rentrer en communication entre eux. Possiblement. Moi, ce que je vais aller faire, je vais retourner au SSV Aquitaine et je vais aller vérifier son armement. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va servir. Je vais faire. Ouais, par contre, touche pas trop à ça, les machines. Non, Elle juste est ça. nickel chrome. Non, t'inquiète pas, je sais très bien, je te fais un peu les guillemets par rapport à la dernière fois, que je n'ai pas besoin Ouais. d'aller voir la salle des machines. Non, juste l'armement, Oui. voir ce qu'on a au niveau missile ou quoi que ce soit, parce qu'actuellement je sens que je vais déployer toute sa puissance de feu. Demande au Krogan et à la pilote. À mon avis, c'est eux qui devaient plus le toucher. Bah, en l'occurrence, c'est surtout moi qui va devenir le nouveau pilote. Hein? Pourquoi? Bah, de ce que je... Alors, HRP, de ce que j'avais compris avant, c'est que c'était toi le... Non. Non, c'était un autre personnage qui était humain aussi. Et. Oh. Oh non! Mis à la barre du vaisseau.